Saviez-vous que les bâtiments peuvent être chauffés à partir d'une source de chaleur qui se trouve sous vos pieds? Eh oui, il y a de l'énergie dans les eaux usées. Les eaux usées sont naturellement tièdes. Elles circulent toute l'année sous nos pieds entre 12 et 20 degrés Celsius. Alors comment récupérer cette chaleur pour la transformer en énergie verte renouvelable? C'est très simple. Un échangeur de chaleur est positionné dans les canalisations. Cet échangeur capte la chaleur des eaux usées et assure le transfert vers le bâtiment à chauffer. Ainsi, en été, la température de l'eau pourra être utilisée pour climatiser les bâtiments. A l'inverse, en hiver, l'eau étant nettement plus chaude que l'air extérieur, elle permettra de les chauffer. Résultat, avec ce système, on peut chauffer ou rafraîchir un bâtiment. À Douai, les eaux usées des 42 000 habitants sont récupérées grâce à 200 km de canalisation. La ville de Douai a choisi de profiter de toutes ces calories pour chauffer les installations de la piscine. Car il en faut des calories pour les 140 000 visiteurs que reçoit la piscine chaque année. 75 mètres d'échangeurs ont été installés dans les canalisations d'eau usée de la ville. Les calories des eaux usées sont récupérées par les échangeurs, elles sont ensuite acheminées jusqu'à la pompe à chaleur située à la piscine. Cette dernière va les multiplier pour atteindre une température d'environ 45 degrés. Toute cette énergie permet de chauffer les douches, le petit et le grand bassin et l'air ambiant. Grâce à cette solution, la piscine économise jusqu'à 40% sur sa facture énergétique et réduit d'au moins 30% les gaz à effet de serre. À Douai, on s'engage sur les énergies vertes et la préservation des ressources naturelles. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.